production réalisation John Chan Sombo. Tout ce que tu veux, je vais te donner, pardon. Tu vas me donner quoi? Tiens, prends mon chapelet. Viens faire quoi là? Tiens. Lève-toi, lève-toi. C'est si la richesse. Tonton, pardon. Moi j'habite à Kumasi chez un tuteur. Ah, tu as de la chance toi. En tout cas, de nos jours, avoir un tuteur en ville, ce n'est pas chose aisée, hein. Ah bon? Tu vois un peu le sida? Hein? Est-ce que tu vois un peu comment le sida se manifeste dans le corps de quelqu'un? C'est comme ça, je serai comme un virus dans toi, ton corps. Le boss veut te voir ce soir, 19h à l'hôtel. Passe me voir, voilà, passe me voir. Tu connais l'endroit, non? Ou bien si tu veux, on peut t'y accompagner. Non, hein? Non, ça va, je connais. Ah. Merci. Tu vas rendre à moi. Et puis, c'est une rencontre de réconciliation et ça doit être disque. Tu comprends? Voilà! Campus, diffusion tous les dimanches à 12h20 sur la première. Campus. Allez, laisse la tête. Laisse la tête. Hassan, prends le volant, on s'empare du cacao. Attention, on est repéré.
Paparazzi, Paparazzi, votre magazine d'affairage qui entre dans la vie intime de toutes vos stars. Paparazzi, c'est à travers ces 6 pages toutes croustillantes d'actualité, de potins de tous ceux qui font le showbiz d'ici et d'ailleurs. Paparazzi, c'est des interviews exclusives, des scoops hors du commun, des comptes rendus d'événements et plein d'autres rubriques tout aussi captivantes. Paparazzi, disponible tout le lundi dans vos kiosques à journaux. Et soyez branchés à Paparazzi. Veuillez faire entrer l'agresseur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, public. S'il vous plaît, public. Du calme. Explosif. Presque au-delà de l'imaginaire. Une histoire poignante. Comment, sur un même plateau de télévision, une jeune fille violée se retrouve avec son violeur. Il m'a demandé, si tu acceptes de sortir, moi je sors toi pour te laisser. Si tu veux que je te tue, je te tue. Tellement il avait peur, il ne sait pas quoi lui dire. Il a dit, il faut faire ce qui t'arrange. Il dit de me déshabiller. Il dit non, moi je ne veux pas me déshabiller. Et puis lui-même m'a déshabillé. C'est vrai. Elle a ça en cœur. Ça lui fait mal. Je lui demande beaucoup pardon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le magazine J'aime mon job. Nous sommes au plateau, centre des affaires communément appelé, plus précisément au carrefour de la cathédrale. Vous avez dû le remarquer souvent comme moi, cet homme, policier de formation, star de la commune, j'ai nommé, et qui assure tous les matins la circulation des usagers de façon particulière. Pour ce premier numéro du magazine, il a été choisi pour vous. Sans transition donc, je vous laisse apprécier le spectacle. Monsieur Kwasi, quand je vous offre quelque chose à boire. Oh non, merci. Il est beau chaud. Ça, c'est la maison que m'a laissé mon grand-père. Et votre fille? Elle est à l'école. Je vous ai apporté un petit cadeau. Un cadeau?
Waouh. Attendez que je l'ouvre. Waouh. Ça, c'est un bijou de valeur. Il doit être excessivement cher. Rien n'a plus de valeur que toi, Marlène. J'ai effectué ce long trajet pour venir te demander de devenir ma femme.